Headset, please raise your hand. You have some ladies that will bring you headsets. Bonjour, ça va bien, oui. Alors, bienvenue à la présentation du rapport international sur le tourisme de neige et de montagne 2024. On va commencer dans 2 minutes, juste le temps de laisser aux gens qui ont besoin de traduction, le temps de s'équiper d'écouteurs. So I repeat for those that needs translation, the presentation will be... Pour ceux qui ont besoin d'une traduction, la présentation aura lieu en français, les diapositives vont être en anglais, mais vous avez des casques disponibles et c'est le canal 1 pour l'anglais. Everyone that needs translation is... Donc, si vous avez besoin de traduction, est-ce que vous êtes bien équipé? Si vous avez besoin de casque, levez les mains. We are done. Okay, so let's start. On va commencer alors. Donc, bonjour à tous et à toutes. J'ai le plaisir de vous présenter ce matin en première les derniers chiffres du rapport international 2024. Donc très rapidement, le rapport 2024, c'est bien sûr sur la saison 2022-2023, il faut être tout à fait clair. La saison 2023-2024 n'est même pas encore finie dans les Alpes et elle n'a même pas commencé dans l'hémisphère sud. Hein. Il ne faut pas oublier que mon rapport couvre la planète entière et on a aussi la saison de l'hémisphère sud qui se passe pendant notre été. Donc très brièvement, la saison 2022-23, c'était une saison, alors je suis obligé d'utiliser le terme en anglais « business as usual », mais c'était vraiment une saison tout à fait normale, c'est-à-dire avec tout ce qui fait une saison de ski. En français, on dirait aux détracteurs du ski, circuler, il n'y a rien à voir. Le niveau de fréquentation au niveau global sur la était exactement au niveau moyen des 20 dernières années. Et c'est très typiquement les conditions de neige et de météo et à quel jour est-ce qu'il faisait beau, quel jour il y avait la neige, qui ont été le facteur déterminant de la fréquentation. Je viens tout de suite sur les chiffres plus en détail. Je ferai aussi quelques points sur quelques éléments plus qualitatifs. Les stations, je dirais, ces dernières années, et c'est ressorti tout particulièrement sur la saison 22-23, ont été plus en avant dans les domaines de la billetterie, je vous en parlerai, et aussi dans le domaine d'être plus proactif au niveau de la communication et du traitement de certaines problématiques vis-à-vis de l'extérieur.
Au niveau de l'offre globale, alors c'est sûr que chaque année, je présente ce diagramme. Les 68 pays, ça fait un petit moment que ça n'a pas changé. On attend que l'Arabie Saoudite mette en service sa piste à Trojena pour 69 pays. Sinon, les données au niveau du nombre de stations de ski d'une façon globale, donc les stations de ski sans tenir compte du nombre de remontées mécaniques, ou en étant plus restrictif en disant je compte que les stations qui ont au moins 5 remontées mécaniques. Ces chiffres varient chaque année, un petit peu avec des plus et des moins, mais l'essentiel de ces variations est davantage dû à des recalibrages, à des chiffres plus précis qui viennent, qu'à effectivement des stations qui disparaissent ou qui apparaissent. Alors c'est vrai que chaque année, on a des stations qui sortent de la circulation. Ce sont généralement celles qui font la manchette des journaux ou la photo en première page, un téléski dans un champ en basse altitude. Ce sont des stations qui ne comptent absolument pour pas grand-chose dans le bilan global. Mais on a aussi des stations nouvelles qui viennent, comme par exemple dans des pays comme la Chine. Et puis après, comme je dis, on a tout le phénomène de recalibrage des données. Chaque fois que je peux avoir des données plus précises sur certains pays, je les prends et ça fait aussi des fois changer les chiffres sans que ce qu'il y a derrière change véritablement. Où il y a une tendance à la réduction, c'est au niveau du nombre de remontées mécaniques. Et ça, je le mentionne déjà depuis un certain nombre d'années. Les remontées mécaniques, on en a moins, mais ce n'est pas parce qu'on démonte et puis on arrête, c'est simplement parce qu'on remplace des installations peu performantes par des installations plus performantes. J'en reparlerai encore un peu plus tard. Au niveau de la fréquentation, donc là, c'est l'historique sur les 20 et quelques dernières années. Donc, on voit qu'avec 372 millions de journées skieurs, la fréquentation de la saison 2022-2023 était exactement dans la moyenne des dernières années et à peu près au niveau de la saison précédente. Et j'avais déjà relevé, on est de retour dans les moyennes. Alors, je vous ai parlé que tout à l'heure, au niveau du nombre de stations, je fais des fois des recalibrages. Je veux juste vous rassurer que sur ces données-là, quand il y a un recalibrage, il est fait sur toute la durée. Donc, il n'y a aucun effet qui est lié à des recalibrages de données dans l'évolution que vous voyez sur ce graphique. Si on regarde maintenant la tendance d'une façon plus précise au niveau des régions sur ces 20 années, alors j'ai pris la fréquentation sauf la saison 2020-2021, parce qu'elle était vraiment catastrophique et elle fausserait les chiffres et les tendances. Donc, en pointillé bleu, vous avez sur le graphique ici la tendance. Les stations des pays alpins, eh bien, vous voyez que finalement, la tendance globale, les pointillés bleus vont légèrement à la baisse, mais on ne peut pas interpréter ça comme une tendance à la baisse significative. Il ne faut pas oublier que là-dedans, on a encore une des saisons ici, qui était une saison affectée par le Covid. Donc, il suffirait qu'on aille encore une continuité de quelques bonnes saisons pour que les pointillés bleus reviennent parfaitement de niveau. En Europe, le reste de l'Europe occidentale, vous voyez aussi, on a peut-être des hauts et des bas, mais c'est quelque chose de récurrent sur la durée. Et la tendance globale, les pointillés bleus, ben, ils sont parfaitement plats. En Europe de l'Est et Asie centrale, là, on a une croissance qui est liée à la croissance de la demande et à la croissance de l'offre. Mais là, on a clairement une croissance. Et si on regarde l'Amérique, on a une tendance aussi assez plate, mais avec une mauvaise saison impactée par le Covid encore en fin de course. Et vous voyez que les deux dernières saisons aux États-Unis étaient très, très bonnes et ont poussé vers le haut la fréquentation du continent américain. Donc, on a presque là-bas une tendance plutôt sur les dernières années à la hausse. Asie-Pacifique, là, on a une tendance à la baisse, mais tout le monde sait pourquoi. C'est à cause du déclin du ski au Japon.
Le Japon comptait en chiffres très très importants de journées skieurs. Donc quand on perd des dizaines de millions de journées skieurs, même si la Chine en gagne, elle, en partant de quasiment zéro en 2000, elle n'arrive pas encore à compenser pour les pertes du Japon. Donc cette baisse est essentiellement l'impact de la baisse des journées skieurs au Japon et puis aussi un peu en Corée du Sud sur les dernières années. Et puis le dernier, le Middle East and Africa, c'est la Turquie qui pèse le plus lourd dans ce graphique. Et clairement, dans des pays comme la Turquie, sur les 20 dernières années, on a eu l'installation de nouvelles remontées mécaniques, l'apparition de stations de ski, et ça porte aussi un petit peu ses fruits, mais vous voyez que l'échelle du graphique est bien différente des deux autres graphiques. Donc je disais, cette saison 2022-2023, elle était tout à fait normale, mais dans la normalité, bien on sait qu'on a des fois du mauvais temps, de la mauvaise neige, et puis des fois on a de la bonne neige et du beau temps. Et puis ce n'est pas tout le temps la même chose dans chaque pays. Donc sur la saison 22-23, si je la mets en comparaison avec la moyenne quinquennale pré-Covid, pour avoir une référence relativement stable, eh bien, il y a une série de pays en haut du graphique, comme les États-Unis, l'Italie, la Chine, qui ont fait nettement mieux que pré-Covid. Et puis, on a toujours des pays qui font moins bien que la moyenne pré-Covid. L'Allemagne, qui a fait sa pire saison de son histoire. Et puis, on voit que le Japon est aussi toujours à la traîne. L'Autriche et la France n'ont pas encore atteint les niveaux pré-Covid, mais c'est aussi une question de temps et de météo. Donc, globalement, on a des gagnants, on a des perdants, mais sur le chiffre mondial, on a cette continuité. On a même certains pays qui ont enregistré le record inédit de fréquentation. Ce sont les États-Unis, mais aussi, et on n'en a pas parlé beaucoup, l'Italie. Et c'est aussi intéressant de voir que même alors que les autres pays alpins ont eu une saison qui n'était pas forcément des meilleures, mais sans être catastrophique, l'Italie a fait la meilleure saison, en tout cas, de ces 20 dernières années. Et le Canada a aussi réalisé la meilleure saison de son historique. Voilà les principaux chiffres du rapport. Maintenant, quelques détails plus particuliers. Je vais sauter un peu du coq à l'âne sur différents points qui ressortent des analyses faites dans le cadre du rapport. Tout d'abord, le nombre de skieurs. Alors ça, c'est assez inédit. C'est la première fois que la Chine vient en tête d'un des graphiques avec le nombre de skieurs. Le nombre de skieurs est une donnée qui est assez difficile à cerner parce qu'on ne mesure dans très peu de pays combien de skieurs sont effectivement venus skier dans une saison. Donc le nombre de skieurs qui figure sur ce graphique est une estimation du nombre de gens qui ont skié au moins une fois, disons, dans les 5 dernières années, pour donner une référence. Hein. Mais très clairement, en Chine, on a de plus en plus de monde qui ont découvert le ski, expérimenté le ski, malheureusement qu'une seule fois, puisque finalement le nombre de skieurs qu'on a pour la Chine est supérieur au nombre de journées skieurs enregistrées en Chine. Ça veut dire que tous les gens qui ont skié une fois sur les 5 dernières années ne sont pas venus sur les pistes la dernière saison. Aux États-Unis, on a aussi à peu près 25 millions de journées skieurs. Les États-Unis sont de skieurs, pardon. Mais les États-Unis sont un des seuls pays avec la Chine où on essaye de faire une estimation saison après saison du nombre effectif de gens qui ont skié. Et typiquement, pour mettre en regard mes 25 millions de skieurs américains, aux États-Unis, on a entre 10 et 11 millions de gens qui skient effectivement dans une saison. Donc, globalement, la fréquentation au niveau mondial ne vient pas de l'ensemble des skieurs. Je vous ai mis sur un graphique ici, je vais vous donner quelques explications, mais vous voyez que sur 2023, on estime à plus de 150 millions de skieurs dans le monde. Mais sur ces 150 millions,
on en a à peu près que la moitié qui a effectivement skié dans la saison de ski 2022-2023. En fait, c'est décevant d'un côté, mais de l'autre côté, ça démontre qu'il y a encore un énorme potentiel pour faire simplement skier davantage des gens qui savent skier. Alors, il y a une grande remarque sur ce graphique qui figure en travers. Ce n'est pas des séries chronologiques. Hein. J'essaye chaque année d'avoir une estimation du nombre de skieurs qui s'améliore au fur et à mesure de différentes données. Mais ça ne veut pas dire si d'une année à l'autre, j'ai une augmentation, qu'on a effectivement une augmentation si on regarde d'une année à l'autre. Il ne faut pas interpréter ça comme une évolution dynamique d'une année à l'autre. Par contre, d'une façon globale, la tendance est clairement à la croissance. On passe de quelque chose comme 110, 115 millions de skieurs à plus que 150 millions de skieurs en une quinzaine d'années. Malheureusement, vous avez vu tout à l'heure le graphique des journées skieurs. Les journées skieurs sont plutôt quand même stagnantes. Donc, on a cette problématique que, non seulement en Chine, mais partout dans le monde, on a une partie des skieurs qui ne viennent pas au ski chaque année. Et c'est un potentiel de développement de marché qui est important. Donc, attention, ne prenez pas ça comme une série chronologique, mais juste pour illustrer la tendance qu'on a quand même de plus en plus de skieurs qui, malheureusement, skient individuellement de moins en moins, ce qui résulte à une fréquentation globalement stagnante dans le monde. Puisqu'on est dans le Mountain Planet, beaucoup d'installations de remontées mécaniques autour de nous, j'ai aussi regardé les chiffres au niveau des remontées mécaniques et des renouvellements de remontées mécaniques sur les 22 dernières années. Alors, vous voyez, les barres bleues indiquent la proportion de remontées mécaniques dans un pays, dans une région, qui ont été remplacées par rapport à l'ensemble du parc de remontées mécaniques. Donc, typiquement, dans les pays alpins, hein, si on a à peu près 25% des remontées mécaniques qui ont été remplacées sur cette période de 22 ans. En Europe de l'Ouest, c'est un peu moins. En Europe de l'Est et l'Asie centrale, on est à un peu plus que 20%. En Amérique, un peu moins. Asie-Pacifique, encore moins, en dessous de 10%. Mais si on essaye maintenant de regarder en termes de moment de puissance ou de puissance installée, c'est-à-dire de capacité de transport des installations, et c'est les barres oranges, on voit que dans les Alpes, en fait, on a remplacé plus que 70% des capacités. Ça s'explique parce que typiquement dans les Alpes, on a encore beaucoup de stations qui ont des téléskis qu'on tire en longueur pendant une cinquantaine d'années, donc ils ne sont pas forcément renouvelés. Mais ce ne sont pas les installations qui ont les grosses capacités de transport. Donc, au niveau des télésièges débrayables, des télécabines et tout ça, on a eu beaucoup plus de renouvellement. Et on voit que plus que 70% des capacités ont été renouvelées. En Europe de l'Est et Asie centrale, on a aussi un taux de renouvellement des capacités qui est important, qui est encore développé par le fait qu'on a construit plus que ce qu'on avait avant. Dans les pays alpins, c'est surtout des renouvellements. On voit que ce taux, dans les autres régions, en proportion des capacités de transport, est aussi de toute façon supérieur à la proportion en nombre de remontées mécaniques, même s'il n'est pas aussi important que dans les Alpes ou en Europe de l'Est, Asie centrale. De ces différentes données, puisque sur plus que 20 ans, j'ai les données de fréquentation et plus que 20 ans, j'ai les investissements en remontées mécaniques, je me suis posé la question, est-ce que finalement, le fait de construire des remontées mécaniques, de créer de l'offre, génère de la demande? Alors, j'ai fait l'exercice de deux façons différentes. Tout d'abord, j'ai mis sur un tableau les pays qui ont eu un très haut niveau d'investissement en remontées mécaniques. Donc, c'est toujours relatif, hein, par rapport au parc existant.
Et j'ai regardé l'impact sur les journées skieurs en prenant la moyenne quinquennale à intervalle de 10 ans. Donc, ce n'est pas d'une année à l'autre, c'est vraiment les moyennes quinquennales comparées sur un intervalle de 10 ans. Et donc, sur ce tableau, ce sont tous des pays qui ont passablement investi en remontées mécaniques. On voit que l'impact sur les journées skieurs, dans certains pays, a été totalement inexistant. En Italie, en Corée du Sud, en Espagne, justement, tout à l'heure, j'ai dit que l'Italie avait fait sa meilleure saison de tous les temps en 22-23, hein, mais j'ai pris des moyennes quinquennales. Donc, dans les moyennes quinquennales, ce genre de choses n'apparaît pas, donc ça lisse davantage. Un impact relativement faible sur les journées skieurs, par exemple en Andorre, en Azerbaïdjan, en Islande, les pays qui sont en Italie, qui sont des pays sur lesquels les données ne sont pas très fiables. Un impact qu'on arrive à mesurer sur les journées skieurs en Bosnie-Herzégovine, en Géorgie, en Lettonie, en Nouvelle-Zélande. Et les pays qui sont mentionnés en bleu, en gras, ce sont des pays dans lesquels qui vont se retrouver sur le tableau suivant. Et puis, un impact fort sur les journées skieurs, on voit au Monténégro, en Russie et en Turquie. Donc après, je me suis demandé si j'allais retrouver ces mêmes pays en faisant le raisonnement un peu à l'envers, en disant, je prends maintenant les pays qui ont eu une croissance significative des journées skieurs, et je regarde quel est leur niveau d'investissement en remontée mécanique. Je voulais voir si les données se croisaient. Alors finalement, je me rends compte que certains pays qui ont connu une croissance intéressante des journées skieurs ont très peu investi en remontée mécanique. C'est le cas de l'Australie, de la Norvège, de la Suède, de l'Ukraine. On a des pays qui ont investi moyennement, comme la Bulgarie, la Chine, parce que la Chine, malgré la croissance des journées skieurs, proportionnellement, les investissements sont encore relativement faibles. La Lettonie, la Russie se trouvent aussi dans des pays qui ont un niveau d'investissement moyen. Et les pays qui ont investi fortement, c'est la Bosnie, le Monténégro, la Nouvelle-Zélande, la Turquie, qui se retrouvaient dans le tableau précédent. Mais la moralité de la chose, ou la réponse à la question « est-ce que la création d'offres génère de la demande ?», la réponse n'est pas si évidente que ça. J'ai placé dans ce graphique les différents pays que j'ai analysés, et finalement, on voit qu'on n'a pas un absolu. On a typiquement des pays comme la Turquie qui sont au top de l'échelle au niveau d'investissement, mais qui ne sont pas du tout au top de l'échelle en termes d'augmentation des journées skieurs. Et je le prends parce que c'est relativement significatif d'un pays qui a développé des stations de ski. Il y en a qui sont tout à fait dans les règles de l'art, mais qui n'a pas su créer ou générer de la demande domestique. Et il est absolument indispensable, avant toute chose, si on développe des stations de ski, de développer la demande nationale, la demande domestique. Les skieurs étrangers, c'est quelque chose qui fait joli en général. C'est quelque chose que des grandes stations internationales ont le privilège d'avoir, mais ce n'est pas quelque chose qui est garanti dès qu'on commence à construire des remontées mécaniques. Donc, à la fin, je n'arrive pas à une conclusion systématique de dire « oui, le fait de construire des remontées mécaniques génère automatiquement de la demande ». Ça doit être accompagné d'un soutien, d'un développement de la demande domestique avant tout. Et si ce n'est pas réussi convenablement, comme en Turquie, typiquement en Turquie, on a eu quelques visiteurs étrangers, mais la demande des visiteurs étrangers est totalement insuffisante à faire marcher les stations de Turquie si la population turque ne va pas skier. Un petit coup d'œil sur la Chine, pendant qu'on parle des remontées mécaniques, il y a aussi un phénomène relativement intéressant. Avant 2014-2015, en Chine, les remontées mécaniques débrayables étaient systématiquement des remontées mécaniques qui étaient importées d'Europe. Ça a commencé à changer en 2016-2017. Et vous voyez qu'en 2022-2023, la totalité des remontées mécaniques débrayables installées étaient de fabrication chinoise.
Donc ça, dans le cadre de Mountain Planet, c'est aussi quelque chose sur quoi il faut être attentif. C'est que le marché chinois est en train de prendre la maturité et en train de réussir à se suffire à lui-même en termes d'équipement. Merci à Benny Wu, qui est ici, de réaliser chaque année le China Ski Industry White Book, qui me permet de vous donner ces chiffres. Merci, Benny. Au niveau de l'enneigement, là aussi, c'est un domaine où on pouvait penser que ça resterait l'apanage de sociétés occidentales. Mais là aussi, progressivement, peut-être à un niveau moindre pour l'instant que les remontées mécaniques, on a des fabrications locales au niveau des remontées mécaniques, des systèmes d'enneigement, pardon. Je saute à tout un autre sujet, c'est la stimulation de la fréquentation avec les forfaits saison. C'est un phénomène qui a démarré il y a une quinzaine d'années aux États-Unis. Et là, vous avez le graphique qui montre aux États-Unis la proportion de journées skieurs qui est faite avec les forfaits saison. Et vous voyez qu'à la saison 2022-2023, on a atteint les 50% des journées skieurs qui provenaient de titulaires de forfaits saison. Donc, c'est une tendance qui a été poussée aux États-Unis par le Epic Pass, le Icon Pass, mais qui est devenue très forte et qui a quand même eu un impact aussi parce que finalement, la croissance de la fréquentation aux États-Unis sur les dernières années n'est pas forcément étrangère à ce phénomène des forfaits saison, multi-stations qui sont vendues en avance de la saison. Et si on saute de l'autre côté de l'Atlantique, on a eu le phénomène qui est apparu aussi un peu plus tard, mais qui est apparu en Suisse avec le Magic Pass, hein, qui est un produit du même genre que l'Epic Pass, à part qu'il fédère des stations qui n'appartiennent pas au même groupe. Et on voit aussi que dans un échantillon des principales stations du Magic Pass, on est passé au départ de à peu près 30% des journées skieurs de ces stations réalisées avec le Magic Pass, à 50% des journées skieurs réalisées avec le Magic Pass. Donc, ces forfaits saison vendus à l'avance, multistations, ne sont pas qu'une histoire américaine. Et puis, on voit aussi l'émergence de nouveaux modèles de prix, nouveaux modèles de billetterie. Et là, c'est un autre exemple en Suisse. Quand je fais le bilan de la saison, j'ai toujours 40 stations, un échantillon de 40 stations qui sont constantes, qui me servent à déterminer le prix moyen du forfait affiché pour une journée adulte plein tarif. Et depuis 2019-20 jusqu'à 23-24, vous voyez ici la proportion de stations qui ont introduit les prix dynamiques. Alors, ça ne me facilite pas les choses pour déterminer ce fameux prix moyen. Mais vous voyez que maintenant, sur ces 40 stations de référence, j'en ai la moitié qui appliquent des tarifications dynamiques. Et ça s'est introduit assez rapidement sur les dernières années, puisqu'en 19-20, on n'en avait que 15% à peu près qui appliquaient à ce moment-là la tarification dynamique. C'est quelque chose qui, même en France, commence à s'introduire. Ça vient partout, même si c'est pas encore très, très rapide, mais les stations qui l'ont introduit ne sont pas forcément revenues en arrière. Donc, c'est quelque chose qui va encore prendre de l'ampleur sur les prochaines années. Ce qu'il faut remarquer au niveau des associations, des stations de ski, des associations fêtières dans les différents pays, c'est qu'elles sont devenues beaucoup plus proactives au niveau de la communication. Bon, on a tiré à boulet rouge, les médias ont tiré à boulet rouge sur les stations de ski, sur la branche depuis un certain temps. Après, il y a même les politiques qui s'en sont mêlées. Avec le Covid, on a considéré que les stations de ski, ce n'était pas important, on pouvait les fermer. Avec la guerre en Ukraine, la pénurie d'énergie, on s'est dit, ah ben, on va économiser de l'énergie, on va fermer les stations de ski, ça nous permettra de gagner de l'énergie. C'est en tout cas une idée qui a effleurer les politiciens en Suisse, mais c'était des idées qui venaient comme ça du ciel, sans aucune donnée de référence. Quand on a décidé de fermer toutes les stations de ski parce qu'on dit que ce n'est pas très important, ça évitera que le Covid se répande,
les autorités n'avaient même pas de données claires sur le poids économique des stations de ski. La même chose au niveau de la consommation énergétique. Finalement, en Suisse, c'est l'association fêtière de la branche qui a fait des calculs et qui a dit « Oui, on peut fermer toutes les remontées mécaniques, on économisera 0,3% de la consommation électrique suisse. » Ce n'est pas ça qui va changer grand-chose. Il vaudrait mieux interdire aux gens de visionner des films porno ou de regarder Netflix ou je ne sais pas quoi. On économisera davantage d'électricité. Et ces dernières années, on voit clairement dans quasiment tous les pays où il y a des associations de stations de ski qui sont actives, qu'on a produit des infographies, des rapports sur tout ce qui touche à l'énergie, à l'enneigement, au climat. Aux États-Unis, on a fait cette étude Climate Smart Snowmaking, notamment aussi pour aider d'un côté les stations de ski à être plus efficientes au niveau de l'enneigement, mais aussi pour communiquer vis-à-vis de l'extérieur des informations de base au niveau de la fabrication de neige de culture. Ça a été aussi repris en Suisse, simplement déjà pour dire que la neige de culture, ce n'est pas de la neige synthétique, que ce n'est pas fait avec des produits chimiques, que ce n'est pas du plastique, mais que c'est quelque chose de naturel, que c'est un stockage d'eau, et ainsi de suite. Parce que avec les nouveaux médias et les médias sociaux, finalement, il suffit que quelqu'un répète suffisamment longtemps et fréquemment une information sans aucune base pour que ça devienne une vérité à laquelle, malheureusement, le grand public et les médias grand public s'accrochent sans que ce soit fondé. Donc, c'est une excellente initiative de la part des associations nationales et c'est quelque chose qui doit encore être poursuivi, d'être davantage proactif, de ne pas attendre de se faire attaquer par les médias ou d'être pris comme le bouc émissaire par les gouvernements pour des économies d'énergie ou comme les diffuseurs de microbes, comme dans le cas du Covid. Mais dès qu'on a des informations fiables, ben ça permet de déjouer ces initiatives qui sont très souvent basées sur aucune information ou des présupposés. Et l'ami ChatGPT n'aide pas vraiment là-dedans. Moi, je me suis posé la question si ça valait encore la peine de produire ce rapport annuel, si finalement... Vous ne pourriez pas simplement poser la question à ChatGPT pour qu'il vous donne les chiffres principaux et les futures tendances. Donc, j'ai demandé à ChatGPT quelles étaient les tendances futures de l'industrie de la montagne et voilà les réponses qu'il m'a fournies. Alors, je vais les commenter en disant voilà ma perception et la perception qui ressort du rapport international. La tendance générale, d'après ChatGPT, ben, c'est la technologie et le développement durable. Bon, grand sujet bateau, mais pour moi, la tendance générale au niveau des stations de ski, c'est davantage la résilience de la branche. Et on a des chiffres à l'appui pour nous montrer que la branche est résiliente, que ChatGPT n'a pas. Au niveau de l'expansion du marché, alors ChatGPT nous dit simplement qu'il y a des nouveaux marchés, puis des partenariats, puis ça va vous aider à aller mieux. Pour moi, la clé, c'est la croissance des marchés domestiques. Je vous ai déjà donné quelques flashs dans le cours de ma présentation qui démontraient que la nécessité d'avoir des marchés domestiques forts et qui ne peuvent pas être compensés par la fréquentation internationale. Si on n'a pas un marché domestique fort, on est faible. ChatGPT dit au niveau du climat, ben, il faut innover dans la fabrication de neige de culture. Oui, c'est bien joli. Là, il faut aller plus loin et il faut vraiment consolider l'activité 4 saisons des stations de ski. S'il y a une télécabine, il ne faut pas l'utiliser uniquement en hiver, il faut l'utiliser en été pour monter les gens en haut de la montagne et les installer dans un restaurant panoramique, leur donner le goût aux activités de montagne tout au long de l'année. Au niveau de la clientèle, grande tendance aussi, sujet tout à fait bateau, la personnalisation et le wellness. Oui, c'est bien joli, mais ce n'est pas vraiment ça qui va aider à améliorer les prestations au niveau du parcours client dans les stations de ski. Pour moi, il y a vraiment un travail à faire dans les stations de ski au niveau du parcours client. C'est bien joli de pouvoir tout réserver sur une app sur le téléphone, si encore ça marche jusqu'au bout.
Mais après, quand on se trouve dans la station, il faut aussi que les choses physiquement soient là, en place, et que l'organisation soit là derrière pour délivrer une expérience client dans la station. L'expérience client dans la station est bien plus importante que l'expérience qu'on peut avoir sur une app préalablement, et encore pour autant qu'elle fonctionne. Et là encore, sur le parcours client, il y a un potentiel énorme d'amélioration dans nos stations de ski. Donc c'est pour ça que je ne suis pas du tout désespéré par rapport au potentiel des stations de ski dans le futur. J'ai relevé qu'on a énormément de skieurs qui viennent pas skier chaque saison. Il y a un potentiel énorme à creuser à ce niveau-là. Il y a un potentiel énorme à creuser en améliorant le parcours client dans les stations pour rendre les stations plus attractives et que les gens aient davantage envie de revenir, et ça surtout au niveau des débutants. Et ça vient sur le challenge et chance. Donc, d'après ChatGPT, c'est des stratégies compétitives et des adaptations législatives. Bon, c'est bien joli. Pour moi, le vrai défi et la vraie opportunité aussi du marché du ski, c'est le marché des débutants. On ne fait pas autant d'études ici en Europe qu'on en fait aux États-Unis. Mais aux États-Unis, ils savent depuis des années et des années et des années que plus que 80% des débutants, après leur première expérience, ils disent « c'était un cauchemar, je ne reviens pas skier ». Ici, on ne fait même pas ces analyses, on ne le sait pas. Mais c'est dramatique de travailler dans une branche où on a 80% de déchets à la première visite. Et là, on a aussi un potentiel d'amélioration énorme. Et puis, le dernier point que ChatGPT me donne dans les perspectives futures, au niveau de la conclusion, ben, il faut s'adapter. OK, il faut s'adapter, c'est bien joli. Et il y a plein de donneurs de leçons partout qui viennent dire ce que les stations de ski doivent faire. Mais finalement, il n'y a pas d'adaptation standard. Chaque station doit trouver son chemin dans l'adaptation. Il y a des stations qui doivent très fortement développer le 4 saisons. Il y a peut-être quelques stations où ça n'a encore pas de sens de développer le 4 saisons, mais chacun doit trouver son chemin et on ne doit surtout pas faire un copier-coller partout du même produit. Donc, à la fin de mon petit exercice, je me suis dit, bon, ça vaut quand même encore la peine de faire chaque année ce pavé qui est disponible depuis aujourd'hui en commande sur mon site internet et qui sera envoyé aux supporters de l'action de crowdfunding dans la journée si la technique fonctionne bien. Voilà, je vous remercie de votre attention et on a un moment de questions maintenant avant la prochaine séance ici. Il devrait y avoir des micros. Si quelqu'un a une question, levez la main que les demoiselles qui ont des micros vous voient. Question ? Bien si, oui. Thank you, Mr. Lawrence. Merci, monsieur. Je viens de Hakuba Hulu, qui est dans les Alpes du Nord du Japon, à Hakuba, et à Nagano, au centre du Japon. Et moi, je viens de Hong Kong, en fait, et j'ai commencé le snowboard en 2016. Et après, chaque année, je faisais du snowboard pendant 3 jours. Et lorsque je suis allée au Japon, je me suis dit, je peux plus profiter de la saison de neige. Et pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a de moins en moins de neige à cause du réchauffement climatique. Mais comme industrie de la neige, il faut protéger l'hiver. Et nous devons nous assurer que l'industrie de la neige soit plus durable. Bien sûr, cela implique les 4 saisons. Parce que pour un business, s'il y a de moins en moins de neige, il faut profiter des autres saisons. Donc, je voulais poser une question. Quelle est, d'après vous, une façon de rendre ces stations plus durables et comment inspirer les jeunes à travailler dans cette industrie? Parce qu'aujourd'hui, les jeunes veulent travailler en informatique ou dans la finance seulement pour gagner davantage d'argent. Et on doit faire face à un manque de talent. Au Japon, l'industrie de la neige et dans les stations de ski, on est très mal payé. On doit travailler
beaucoup avec, enfin, on travaille beaucoup à court, à mi-temps. Donc moi j'ai une question, c'est comment rendre l'industrie de la neige plus durable ou pour toutes les stations de montagne et pour que ce soit durable pendant les quatre saisons, et comment, deuxièmement, attirer davantage de talents vers cette industrie pour que l'industrie évolue. Merci. Les gens qui ne comprennent pas l'anglais... C'est bon. Merci. Super. La question est relativement touffue. Donc, je dirais, par rapport au Japon, il y a quand même un problème de base. C'est que l'industrie du ski au Japon a terriblement vieilli. Quand il y a des Européens qui vont skier au Japon, ça arrive qu'ils me disent « Ah, mais ils ont des installations d'occasion là-bas ». Je leur dis non, non, c'est des installations d'origine, mais elles sont tout à fait vintage parce que ça fait 40 ans ou 50 ans qu'elles n'ont pas été renouvelées. Donc, au Japon, on a un problème que cette industrie, d'ailleurs comme la population, a énormément vieilli et ce n'est pas renouvelé. Donc, je crois que c'est un problème spécifique ou amplifié au Japon qui rend les choses peut-être plus difficiles encore aussi pour attirer des jeunes et tout ça. Mais je pense que pour attirer des jeunes dans la branche, la première chose à porte d'entrée, c'est justement ce processus d'apprentissage, d'attirer des débutants, d'attirer des jeunes générations qui n'ont pas la culture du ski et de les familiariser au ski avec des façons qui doivent être innovantes, qui doivent être nouvelles, qui ne sont pas les façons qu'on a utilisées les 30 ou 40 dernières années. Ça, c'est la première chose. Et puis ensuite, de rendre la montagne durable, de rendre le ski durable, moi, je dirais dans un sens, c'est quelque chose qui existe depuis toujours. Les remontées mécaniques, c'est quelque chose qui est relativement durable. Ça fonctionne à l'électricité. Descendre sur une piste enneigée, ça n'émet pas de CO2. Le grand problème qu'on a dans cette industrie par rapport à au développement durable, c'est le transport, et c'est le problème global du tourisme, c'est le transport. Les gens, même si on leur offre d'accéder à la station en train, ils préfèrent venir avec leur propre voiture, parce que c'est plus pratique. Alors, il y a des choses qu'on peut améliorer au niveau du parcours client dans la station pour rendre déjà plus facile le parcours pour des gens qui viennent en transport public. Mais après, il y a un changement de mentalité qu'on n'arrive malheureusement pas à faire. Quand on fait des études en France ou en Europe, les gens, ils sont les premiers à dire qu'ils trouvent que les stations de ski, c'est quelque chose qui pollue et tout ça. Mais la principale raison pour laquelle le business du ski global pollue, c'est parce qu'eux, ils viennent en voiture quand ils vont skier. Les remontées mécaniques et l'ensemble de l'enneigement et de la préparation des pistes n'est responsable que de 3% des émissions de CO2 dans le business du ski. L'essentiel vient des transports et après du chauffage des bâtiments, des commerces. Donc c'est là qu'on a énormément à faire, mais les gens sont les premiers à crier, mais au nom de la liberté individuelle, eh bien, on veut avoir la liberté de choisir comment je viens skier, et puis on prend sa voiture et puis on pollue. Et malheureusement, là, on marche sur la tête dans nos pays. Donc, je n'ai pas une solution toute faite à ce niveau-là. Le mieux, c'est de s'arranger pour que la station ne soit pas accessible en voiture, comme la station de Zermatt ou certaines autres stations en Suisse, pour obliger les gens à prendre le train. Mais encore, à Zermatt, une partie des gens ne viennent pas en train depuis chez eux. Ils vont en voiture jusqu'au dernier endroit où ils peuvent aller en voiture et ils prennent le train seulement sur le dernier bout. Voilà. Une esquisse de quelques éléments de réponse à votre question qui demanderait tout un exposé. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci beaucoup. Merci. Mr. Lee. 我发现中国的滑单板的特别多，然后欧洲滑单板的特别少，这是为什么？Donc nous avons trouvé que en Chine il y a beaucoup de snowboarders, mais tandis qu'en Europe il y a beaucoup plus de skieurs, il y a très très peu de snowboarders. Pourquoi? C'est la raison. Oui, ça, les snowboarders, ça dépend encore des pays. Hein. D'un pays à l'autre, même en Europe, on a davantage de pratiques. C'est quelque chose qui a été adopté ou qui a été mis davantage à la mode dans les pays souvent où on a
eu des jeunes générations qui ont appris à skier. Mais moi, je n'ai pas une explication absolue. Pour moi, il y a la question du phénomène de mode. Et typiquement, dans les pays matures du ski, ben, les gens avaient l'habitude de skier. Les baby-boomers ont appris à skier sur des skis. On leur a donné des skis carving, ça facilitait les choses. On ne cherche pas encore à apprendre une nouvelle technique en allant sur le snowboard. Mais c'est quand même encore assez différencié. Donc, je pense que l'explication principale, c'est quand les pays, on a des jeunes générations qui ont appris, qui ont peut-être adopté le snowboard. Ce n'est pas très scientifique comme explication, mais... Oui, madame. Bonjour. Vous indiquez donc qu'il faut qu'il y ait quand même plus d'investissement aujourd'hui pour continuer l'activité du ski et même peut-être développer un 4 saisons. Est-ce que vous avez une idée justement du montant d'investissement qui serait nécessaire, par exemple, en France et d'exemples justement de modèles de stations qui ont réussi un modèle 4 saisons aujourd'hui? De nouveau, il n'y a pas une réponse absolue à cela. Vous avez vu, d'après mes graphiques, il y a quand même passablement d'investissements qui sont déjà faits, par exemple, au niveau des remontées mécaniques. Après, un problème fondamental du 4 saisons, c'est que les stations investissent ou ont des montants investis dans les remontées mécaniques qui sont énormes. Donc, on ne peut pas réinvestir les mêmes montants pour l'été. Le challenge, c'est d'arriver à utiliser un maximum les investissements qui sont déjà là sur toute la saison. Alors, la meilleure chose, c'est quand on a une télécabine avec un restaurant panoramique en haut, de l'utiliser toute l'année. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir ça. Mais le développement du 4 saisons en investissement lourdement, en plus des remontées mécaniques, est difficilement viable. Donc, il faut être très prudent dans l'investissement 4 saisons. Plutôt trouver des quick wins, des petites choses qui permettent d'améliorer tout en bénéficiant de ce qui est déjà existant. Alors, on a quelques stations, typiquement en France, on a une station qui est déjà très, très forte sur le 4 saisons, c'est Chamonix. Mais tout le monde n'a pas la chance d'avoir un Mont Blanc. Donc, les montagnes iconiques et tout ça sont quelque chose qui aide aussi très fortement pour le 4 saisons. Comme en Suisse, on a aussi la Jungfrau qui marche aussi très fort en été. Ces stations arrivent même à avoir davantage de chiffre d'affaires en été qu'en hiver. Et en plus, je vais vous dire un secret, avec moins de charges. Parce qu'on n'a pas la préparation des pistes, on n'a pas les secoureurs, les secouristes, on n'a pas l'enneigement. Mais je dirais que toutes les stations ne peuvent pas aspirer à avoir une fréquentation 50%, 50%. Mais typiquement, on a aussi en Chine certaines stations qui sont nouvelles, qui n'ont pas un Mont Blanc ou une montagne iconique, qui sont déjà arrivées rapidement, au bout d'une dizaine d'années de fonctionnement, à avoir une exploitation équilibrée, 50% hiver, 50% été. Donc, ça demande beaucoup d'innovation, beaucoup d'ingéniosité, plus que d'investissement, je dirais. Autre question? Au fond, il y a deux questions. Bonjour Laurent, merci pour votre travail. C'est très utile d'avoir le portrait international pour l'industrie du ski. Vous avez fait mention que c'est une industrie qui a de la difficulté à développer son marché domestique. On a de la difficulté à communiquer avec les gens qui ne pratiquent pas les sports de glisse. Est-ce que dans votre position là, au niveau recherche, vous connaissez des ressources qui permettraient de mettre en valeur les meilleures pratiques de développement et d'attractivité pour créer des nouveaux skieurs dans chacun des pays où ça semble une difficulté parce qu'on s'adresse beaucoup aux skieurs existants, mais peu à ceux qui ne pratiquent pas les sports de glisse? Oui, je n'ai pas une solution miracle, mais lors de précédentes conférences, j'ai déjà mis en valeur l'expérience de la Chine, par exemple, dans les centres urbains d'apprentissage du ski. Et moi, je suis convaincu que même sur les marchés matures, on doit rendre le ski beaucoup plus urbain. On doit aller approcher ces jeunes générations urbaines qui n'ont pas de culture du ski. Dans nos pays,
dans certains, c'est interdit de faire des statistiques comme ça, mais les jeunes en dessous de 20 ans, vous en avez 50% qui n'ont pas un arrière-plan favorable au ski, je dirais. Ils n'ont pas des parents qui ont appris à skier, qui peuvent leur apprendre à skier. Donc, ils n'ont pas une affinité pour le ski. Et si, en plus, ils doivent aller à la montagne, s'équiper, voyager, tout ça, il y a une barrière d'entrée énorme. Si on arrive à les chercher dans des centres-villes avec des simulateurs de ski sur des tapis roulants, comme ils ont fait en Chine à différents endroits, je ne parle pas des skidômes parce que les villes qu'on a ici ne sont pas de taille suffisante pour rentabiliser une telle infrastructure. Mais, disons, dans un fitness ou comme ça, on peut très bien avoir un tapis roulant qui est un simulateur, qui est un excellent moyen de se familiariser à la technique du ski. D'ailleurs, ces simulateurs sont même utilisés pour les professionnels pour soigner leur technique. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut mettre en milieu urbain partout, mais c'est quelque chose qu'on n'a quasiment pas ici. Ça se compte sur les doigts d'une main, le nombre qu'il y a en France ou en Suisse. Je pense que ça, c'est une première chose à faire. Et puis après, de lier peut-être cet apprentissage en faisant des packages, en disant, vous venez dans notre centre urbain, et puis au bout de 3 fois ou de 5 fois, on vous offre le forfait de ski 2 jours dans une station avec des partenariats avec les stations. Mais il faut être créatif, et malheureusement, là aussi, je peine à trouver des bons exemples. Et ma question était d'ailleurs très proche parce que justement vous l'évoquiez déjà précédemment, l'exemple de la Chine. Comment se fait-il justement qu'après autant d'années d'explications données à des milieux urbains pour sensibiliser et aller chercher les skieurs, les initier justement au plaisir de la glisse, comment se fait-il aujourd'hui que cela ne se développe pas plus, ne prenne pas plus racine, aussi bien dans les nations comme la France où le ski est plutôt proche que dans d'autres pays ? Oui, c'est malheureusement une question que je me pose aussi, mais le problème, c'est que peut-être que les petites stations n'ont pas les moyens de faire ça, et les grandes se portent encore peut-être trop bien. Elles bénéficient de l'apprentissage qui est fait dans les petites stations, et elles devraient s'inquiéter davantage, parce que c'est un calcul, pas à court terme, mais un calcul à long terme. Mais pour moi, pour que ça fonctionne, il faudrait vraiment un partenariat avec plusieurs grandes stations qui s'allient avec un centre de fitness en ville ou quelque chose comme ça. Ça demande une volonté de collaborer. Effectivement, malheureusement, ça fait déjà quelques années que j'essaye de lancer l'idée, mais ça ne prend pas. Je crois qu'on va abréger là pour laisser l'équipe suivante pouvoir se mettre en place pour la session qui a lieu à 11h, qui sera aussi sans aucun doute extrêmement intéressante et à laquelle je vous invite à assister. Merci de votre attention.